La paix est premièrement le fruit de la réconciliation avec Dieu. Quand Dieu nous délivre des angoisses, des frayeurs, des délires, des dépressions, il a maudit les méchants. He cursed the wicked one. Parce qu'il a dit, because he said, il n'y a pas de paix pour le méchant. Quand tu te réconcilies avec Dieu, when you get reconciled with God, Dieu te donne sa paix. Nous allons parler ce soir de la paix. La paix comme l'une des vertus du fruit de l'esprit. Tonight we are going to talk about peace as one of the virtues of the fruit of the Holy Spirit. Nous avons vu que la joie est le résultat d'un apprentissage. We saw that long apprentissage sur le chemin de la croix. We saw that joy is the fruit of the very long training on the way to the cross. L'apôtre Paul dit qu'il a appris. Apostle Paul said that he learned. Ça ne viendra pas comme tu penses, c'est tu vas l'apprendre. It will not come as you think. You will learn it. Et quand tu l'as appris, and when you have learned it, Dieu te demande cela comme une offrande. If tu offres ça aux gens, God asked. Requires from you as an offering that you have to offer comme to un service. As a service. Dieu veut même que toutes les offrandes, tout le service se passe dans la joie. Even God wants all the service to be done in joy. Que celui qui donne avec joie. Let the one that gives with joy. Celui qui serve avec joie. Let the one that serves with joy. Si tu n'as pas cette vertu-là, if you do not have those virtues, toutes tes offrandes ne sont pas agréables. All your offerings are not accepted. Quand on sait se décharger auprès du Seigneur, when you know how to lay down your burden near the Lord, on expérimente cette joie-là. You experience that joy. Quand tu l'as expérimenté, when you have experienced it, les moqueries ne peuvent rien changer. Mockeries cannot change anything. Les honneurs ne peuvent pas te rendre fou. Honors cannot make you grow fool. Les soucis, les persécutions ne peuvent pas t'ébranler. Worries and persecution cannot shake you. Tu as la joie. You have joy. Tu vis la joie. You live joy. Tu donnes la joie. And you share joy. Vous notez la paix. Now note peace. La paix est premièrement le fruit de la réconciliation avec Dieu. Peace is first of all the fruit of reconciliation with God. Donc on parle de la paix avec Dieu. So we talk about peace with God. Et on parle de la paix avec tous les hommes. And we also talk about peace with all men. Elle commence quand on se réconcilie avec Dieu. It starts when you reconcile with God. Quand Dieu nous délivre des angoisses, des frayeurs, des délires, des dépressions. When God delivers you from anguish, from fright and depression. Parce qu'il a dit, because he said, il n'y a pas de paix pour le méchant. There's no peace for the wicked one. Il a maudit les méchants. He cursed the wicked ones. Il a dit que les méchants vont vivre dans l'angoisse, dans le délire, dans la dépression. He said that wicked ones will live in anguish, in fright and in depression. Dans le désarroi. In despair. Sans repos. Without rest. Dans le trouble. In trouble. C'est lui qui crée ce désordre. He is the one that creates all these disorders. Pour garder l'homme. In order to keep man. Dans la frayeur. In fright. Parce qu'il a abandonné les sentiers de la vie. Because he has abandoned the pathways of life. Donc quand tu te réconcilies avec Dieu. When you get reconciled with God. Dieu te donne sa paix. God gives you his peace. Le monde ne cesse pas d'être troublé. The world will not cease to be troubled. Les guerres ne finissent pas.
wars will not be over. Les trahisons et les rébellions, les tribulations seront toujours là. Rebellions, tribulations and treason are always there. Mais l'enfant de Dieu aura la paix dans l'âme. But the child of God will have peace in his soul. Dieu ne permettra pas que son cœur soit troublé. God will not allow his heart to be troubled. Il y aura un repos. There will be a rest. Un calme. And tranquility. Une tranquillité. Tranquility. Une assurance. An assurance. Qui vont habiter dans son cœur. That will dwell in his heart. Quand on lit le psaume 107, par exemple. When we read Psalm 107. D'abord du verset 1 au verset 6. First of all, from verse 1 to verse 6. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Oh, give thanks to the Lord for his good, for his mercy endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from the hand of the enemy and gathered out the lands from the east and from the west, from the north and from the south. They wandered in the wilderness in a desolate way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses. Ils ont crié à l'Éternel. They cried out to the Lord. La première chose, il les délivre de leurs angoisses. The very first thing, he delivered them from their trouble. Ce sont des états que Dieu laisse expressément pour que le méchant n'ait pas de repos sur la terre. These are states, conditions that God leaves there deliberately so that the wicked one will not have any rest on earth. Il les délivra de leurs angoisses. He delivered them from their trouble. Alléluia. Praise the Lord. Quand tu te réconcilies avec Dieu, when you reconcile with God, en lui demandant pardon pour tes offenses, asking him to forgive your offenses, il pardonne, he forgives you, et il te donne l'assurance, and he gives you assurance, il te donne le repos, he gives you rest. Alléluia. Praise the Lord. Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jesus said, come to me, you who labor. Et je vous donnerai le repos. And I shall give you rest. Alléluia. Praise the Lord. Lis pour nous Marc chapitre 11 verset 25. Read for us Mark chapter 11 verse 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonnez aussi vos offenses. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Ici, here, chaque enfant de Dieu, each child of God, doit se rassurer qu'il n'a pas gardé rancune dans son cœur contre quelqu'un. Must make sure that he has not bear grudge in his heart against someone. Si tu es debout en faisant ta prière, if you stand praying, si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, if you remember that you have something in your heart against someone, pardon, forgive. Même si la personne n'est pas venue te demander pardon, even though the person didn't come to ask you to forgive, tu dois pardonner. You must forgive. C'est toi qui as quelque chose contre quelqu'un. You are the one who has something in your heart against somebody. Il faut pardonner. You must forgive. Il y a la paix de Dieu qui dépend de cet acte-là. The peace of God depends on this
depends on this action. Si tu ne pardonnes pas, if you don't forgive, tu verras que tu es toujours en train de haïr la personne. You will realize that you are always hating the person. Tu n'auras pas le repos dans l'âme. You will not have the rest of the soul. Tant que tu retiens quelqu'un captif dans ta pensée, as long as you keep someone captive in your thought, tu ne peux pas être heureux. You cannot be blissful. Si tu apprends, if you learn, que cette personne est bénie ou a été bénie, ton cœur va s'irriter. If you hear that that person has been blessed or is blessed, your heart will be upset. Si tu apprends qu'il y a un accident et qu'il est parmi les victimes, if you hear that he has got an accident and he is among the victims, tu es heureux. You are happy. Parce que tu n'as pas la paix de Dieu. Because you don't have the peace of God. Tu n'es pas à l'aise devant le bonheur des autres. You are not at ease before the happiness of the others. Quand tu as la paix de Dieu, when you have the peace of God, tu sais pardonner. You know how to forgive. Matthieu 5, verset 23 et 24. Matthew 5, verse 23 and 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Si tu sais que ton frère n'est pas content, if you know that your brother is not happy, s'il t'accuse, if he accuses, à tort ou à raison, qu'il t'accuse à tort ou à raison, he accuses you, whether he is right or not, si tu sais qu'il n'est pas content, if you know that he is not happy, tu dois aller te réconcilier avec lui. You must go and reconcile with him. Cette paix-là, la paix de Dieu produit ça. That peace, the peace of God in the heart produces this. Si tu n'as pas la paix de Dieu, if you do not have the peace of God, tu n'auras pas la capacité de rechercher la réconciliation avec ton frère. You will not have the ability to seek reconciliation with your brother. Que pour certains, la paix, c'est quand il n'y a pas la guerre. Because for some, peace is the absence of war. Ils ne savent pas que quand une relation est brisée, il n'y a plus de, il n'y a pas la paix. They don't know that when a relation is broken, there's no more peace. Quand ça ne va pas entre toi et ton frère, il n'y a pas, ce n'est pas la paix. Si tu vis dans cette condition-là, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix de Dieu. When it is not well between you and your brother, and you live in this condition, you do not have the peace of God. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Your eyes must be opened. Et que tu sortes de ton propre mensonge. So that you get out of your own lie. Tu penses que tout va bien, que tu es rempli du Saint-Esprit, alors que tes frères souffrent. You think that all is well with you and you are filled with the Holy Spirit, though your brethren are suffering. Tes actes et tes paroles les ont blessés. Your actions and your words have hurt them. Et Dieu a tout fait pour que tu sois au courant. God has done all things so that you can be aware of it. Peut-être même que c'est un frère rempli du Saint-Esprit qui est venu te dire que entre toi et telle personne, ça ne va pas. Essaye d'arranger ça. Maybe it is a brother who is filled with the Holy Spirit who came to see you and tell you it is not well between you and such a brother. Please go and settle the matter. Et tu dis, je m'en fous. And he say, I don't care. Tu n'as pas la paix de Dieu. You do not have the peace of God. Tu ne connais pas la paix de Dieu. You don't know the peace of God. Tu ne connais pas la paix qui provient de la réconciliation. You do not know the peace that stem from reconciliation. Tu vis avec ta femme. You live with your wife. Il n'y a pas la paix de Dieu. There's no peace. There's no peace. Mais vous trompez les gens. And you deceive men. Mais la vérité, c'est que
Vous ne connaissez pas la paix de Dieu. But the truth is that you do not know the peace of God. Le frère Arnaud disait, il prêchait un jour et il disait. Brother Zach was preaching one day and he said qu'il y a des gens that there are men qui peuvent se coucher. C'est-à-dire sa femme, la femme se couche à côté du mari. And there are people the wife can be lying next to the husband. Personne ne touche l'autre. No one can touch the other. L'animosité peut évoluer au point où chacun prie que la main de l'autre bouge pour le toucher. Ils n'ont plus la force. And it may happen that each one prays that the other one moves his hand to touch him. They no more have strength. Oh Seigneur, permet que sa main me touche. Oh Lord, please allow that his hand touches me. Sont là, personne. Le moi est tellement gros. The self is so big. Personne ne peut initier que bon, pardonne-moi. No one can initiate saying that. Et poser sa main. And lay the hand on him and say, forgive me. Si tu es dans cette condition. If you are in this condition. Tu es dans le trouble. You are in trouble. Tu ne connais pas la paix. You do not know peace. Tu dois rétablir la paix rapidement. You must reestablish peace very quickly. Tu soulèves ta pauvre main, tu dis chérie, pardonne-moi. You raise your poor hand and you say, darling, forgive me. Tu verras la vie revient. You will see that life. L'allégresse remplit ton âme. Cette allégresse là, c'est la manifestation de la paix de Dieu dans le cœur d'un homme. And happiness fills your heart, and this happiness is the manifestation of the peace of God in the heart of a man. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a un problème entre toi et ton ami. Prends le téléphone, appelle le premier. Tu appelles, tu as gagné. There is a trouble between you and your friend. Pick up the phone first and call him. Si tu continues, tu lis la Bible, tu pries, tu chantes, ça c'est charnel. If you continue and you continue this way and read the Bible, you pray, you sing, this is carnal. C'est comme les païens qui essaient de fumer pour oublier les soucis. It's just like the unbelievers who try to smoke in order to forget their worries. Certains païens sorciers prennent la Bible, ils mettent sous l'oreiller. Some pour chasser les mauvais esprits. Some unbelievers who are witch put the Bible under the pillow in order to cast away evil spirits. C'est-à-dire lui-même est un sorcier. He himself is a witch. Mais il veut se protéger contre les sorciers en utilisant la Bible de Dieu. He wants to protect himself against the witch using the Bible of God. Il met sous l'oreiller, pose sa tête. They put it under the pillow and lay their head on it. Alors que ce que Dieu te demande est très simple. Whereas what God is requiring from you is very simple. Va te réconcilier avec ton frère. Go and get reconciled with your brother. La paix de Dieu est avec Dieu et avec les frères, avec les hommes. Peace of God is with God and with the brethren and all and men. Ce n'est pas que tout va bien avec Dieu et avec les hommes, c'est le feu, la guerre. It's not that if all is well with God and then with men, it is fire, it is war. Tu méprises tout le monde. You despise everybody. Mais tu adores Dieu avec zèle. But you worship God with zeal. Ce n'est pas la paix de Dieu. This is not the peace of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu laisses ton offrande. You leave your offering. Tu vas te réconcilier avec ton frère. You go and get reconciled with your brother. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Vous notez ceci. Note this. C'est la vertu que la parole de Dieu désigne par paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. It is the virtue that the word of God refers to as the peace of God. That is above any understanding. La parole de Dieu dit que la paix de Dieu peut te protéger même dans les troubles. The word of God says that even the peace of God can protect you even in troubles. Ça protège ton cœur contre le découragement. It protects your heart against discouragement. Contre les angoisses. Against anguish. Et ça garde les pensées de l'homme sur Jésus-Christ. And it keeps the thoughts of man
upon Jesus. La paix de Dieu garde les pensées et les cœurs des hommes en Jésus-Christ. The peace of God keeps the thoughts and the heart of man in Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Même au milieu des crises, even in the midst of trahison, of crises and treasons, des rébellions, des misères, and rebellions and miseries, le cœur sera toujours gardé en Jésus. Your heart will always be kept in Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est une paix caractérisée par les cœurs remplis de repos, de tranquillité, de calme, d'assurance. It is a peace that is characterized by a heart that is filled with rest, assurance, and tranquility. Lis pour nous Isaïe 30, verset 15 à 16. Read for us Isaiah 30, from verse 15 to 16. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest, you shall be saved. In quietness and confidence shall be your strength, but you would not. And you said, no, for we will flee on horses. Therefore, you shall flee, and we will ride on swift horses. Therefore, those who pursue you shall be swift. Donc, ce que Dieu nous demande, what God requires from us, c'est que même s'il y a des menaces, even if there are threatenings, que tu gardes le calme, that you keep quietness, que tu gardes la tranquillité, that you keep tranquility, que tu gardes la confiance, that you keep confidence, que tu sois dans le repos, and that you remain in rest. C'est comme ça que tu dois manifester la paix de Dieu qui t'habite. That's how you must show, manifest the peace of God that abides in you. C'est ce que ceux qui sont dans ton environnement voient. This is what those who surround you see. Le calme, quietness, la tranquillité, tranquility, le repos, rest, la confiance, confidence, l'angoisse, anguish, le trouble sont des malédictions. Troubles, anguish, are curses. C'est-à-dire que quand tu pêches, lis pour nous Ézéchiel chapitre 4 verset 16. Read for us Ezekiel chapter 4 verse 16. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Moreover, he said to me, son of man, surely I will cut off the supply of bread in Jerusalem. They shall eat bread by weight and with anxiety, and shall drink water by measure and with dread. Chapitre 12, verset 18 et 19. Still in Ezekiel, chapter 12, reading from verse 18 to 19. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement. Tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les habitants de Jérusalem, dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse et ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Son of man, eat your bread with quaking, and drink your water with trembling and anxiety, and say to the people of the land, thus says the Lord God to the inhabitants of Jerusalem and to the land of Israel, they shall eat their bread with anxiety
and drank their water with dread, so that her land may be emptied of all who are in it, because of the violence of those who dwell in it. Boire l'eau avec inquiétude, avec angoisse. Drinking water with anxiety. Ou manger le pain avec angoisse. Or eating bread with anguish. Ça c'est les maladies, tous les troubles, tout ce que Dieu envoie parce que les gens vivent dans le péché. These are sicknesses and troubles, all that things that God sends because people live in sin. Ça veut dire que la paix de Dieu inclut la guérison, la délivrance. It means that the peace of God includes healing and deliverance. La famine dans une ville. Famine in a city. C'est un jugement de Dieu. It's a judgment of God. Pour que les gens mangent en tremblant. People eat trembling, shaking. C'est-à-dire, on peut te donner même un morceau de pain, tu oublies tes enfants, tu as déjà avalé dans l'angoisse, le tourment. It happens. It may happen that you can be given a piece of bread and you even forget your children and eat it in trouble and torment. Quand tu sens que tu es environné de frayeur. When you see, you feel that you are surrounded with fright. Tu as l'argent. You have money. Dans ton sac, mais ton cœur bat. In your bag, but your heart beats. Dieu t'a enlevé la paix. God has removed peace from you. Le Saint-Esprit n'est pas là. The Holy Spirit is not there. Il faut te réconcilier avec lui. You must reconcile with him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? On ne bricole pas, on se réconcilie avec Dieu. We don't try, you just reconcile with him. Sinon, if not, tu auras le diplôme, mais avec angoisse. You will have the degree, but with trouble. Tu auras une promotion, mais avec angoisse. You will have a promotion, but with trouble. Il dit, ils vont boire, ils vont manger le pain avec angoisse. He said, they will drink and eat bread with anguish, with anxiety. Tout ce que tu fais, c'est dans l'angoisse, la peur, le trouble. All that you do, it is in anxiety, fright and trouble. Là, dans le psaume 107, il dit, ils crièrent à l'Éternel. In Psalm 107, it said, they cried out to the Lord. Et le Seigneur les délivra de leurs angoisses. And the Lord delivered them from their trouble. Il faut coopérer avec Dieu. You must cooperate with God. Tu lui dis, je sais. You said, I yield. Que tu n'es pas content. I know that you are not happy. J'ai l'argent, mais mon cœur bat. I have money, but my heart is beating. J'ai le diplôme, mais je suis angoissé. I have degrees, certificates, but I am in trouble. Alors que les pauvres même dorment en paix. Though those who are poor sleep in peace. Tous les pauvres qui t'ont connu sont dans l'allégresse. Ils dorment paisiblement. All the poor ones who have known you are happy and they sleep peacefully. La paix de Dieu est quelque chose qu'on recherche. The peace of God is something that should be sought. On recherche. We sought it. On we fait seek grandir. It, and we make it grow. Dieu te la donne. God gives it to you. Mais en miniature, dans le fruit de l'esprit. But in miniature, in the fruit of the Spirit. Le reste dépend de ta bonne relation avec Dieu et avec les hommes. The rest depends on your good relation with God and with man. C'est dans la concorde que la paix de Dieu se répand. It is in this position that the peace of God will spread. Elle est là. It is there. Elle a été donnée. It has been given. Elle est dans le Saint-Esprit. It is in the Holy Spirit. Mais tout comme la joie, but as joy, qui demande un apprentissage, that requires a training, sur le chemin de la croix, on the way to the cross, la paix qui vient de Dieu demande une communion permanente avec Dieu. The peace that stems from God requires a permanent fellowship with God, et une communion fraternelle sans hypocrisie, and a brotherly fellowship without hypocrisy. Deux axes.
Two axes. La paix avec Dieu. Peace with God. Et la paix avec les hommes. And peace with man. Là, ton cœur entre dans une autre expérience. At this level, your heart enters another experience. Où tu as la vie, la santé intérieure. In which you have life and inner health. Tu ne vis pas dans le trouble intérieur. You don't live in inner trouble. Tu ne vis pas dans l'agitation intérieure. You don't live in restlessness. Pourquoi? Why? Parce que tu sais garder le lien avec le Père. Because you know how to keep in contact with the Father. Et tu sais garder le lien avec les frères. And you know how to be linked, to be in contact with the brethren. Le lien avec le Père. The link with the Father. Le lien avec les autres. And the connection with the others. Quand tu quittes la présence de Dieu, when you leave the presence of God, tu es devant les hommes de ta maison. You are before the people of your household. Ton environnement immédiat, your immediate environment, doit bénéficier de cette joie intérieure, de cette paix que Dieu te donne. They must take advantage of that inner joy, that peace that God gives you. Tu te réconcilies avec chacun. You reconcile with each of them. Vous vivez dans une bonne ambiance. You live in a good atmosphere. Vous résistez à l'orgueil. You resist pride. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison que quand Dieu pardonne, il guérit, il délivre. When God gives you peace, He forgives and heals you. C'est-à-dire quand Dieu pardonne, when God forgives, il guérit aussi. He heals also. He il also délivre. Heals and delivers. Et il restaure. And restores. Il enlève la confusion. Il dit, he removes confusion. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. And he says that my people will no more be in trouble. C'est-à-dire la confusion, les maladies, la détresse, les angoisses, ce sont des conditions dans lesquelles Dieu renferme le rebelle. Distress, anguish, trouble are conditions in which God keeps those who are rebels. Et quand tu reviens à lui, and when you turn back to him, il commence à mettre le calme autour de toi. He starts putting quietness around you, tranquility around you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc il y a la paix que Dieu donne. There is peace that God gives. Il y a la paix que nous devons expérimenter. There is also the peace that we must experience. Il y a la paix que nous devons vivre. And the peace that we must live. Il y a la paix que nous devons procurer, donner. The peace that we must share, give. Quand nous la manifestons, when you show that peace, et quand nous la procurons, and then when we share it, quand nous la donnons aux autres, and when we give it to the others, nous jouons un rôle très important sur la terre. We play a very capital role on earth. Et on nous appelle les enfants de Dieu. And we are called the children of God. Les fils de Dieu. The sons of God. Pourquoi? Why? Ils procurent la paix. They procure peace. Ils ont la capacité de recevoir la paix de Dieu. They are able to receive the peace of God. De la vivre. Leave it. De la manifester. Show it. Et ils peuvent la communiquer. And communicate it. Quand ils arrivent quelque part, when he gets somewhere, ils apportent la paix. They bring peace. Ils apportent la paix. They bring peace. Si tu vis dans une maison, if you live in a house, et tu es dans les commérages, on dit que quelqu'un avait dit que les frères disent que tu n'es pas un instrument de paix. And you are living gossiping, then you are not on the way. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est en moi qui fait que si j'arrive quelque part, les commérages commencent? Put yourself the question, what is in me that when I get somewhere, the gossiping will be over? Dans chaque histoire, on dit que les frères disaient que les gens disent que les païens sont que. Et quand on vérifie, ton nom est dedans. In each history, story, they say that the brethren said, the pagans said, and when we check, you are named there. Si tu dis, on dit, sœur, sœur, là même c'est qui?
And said, quand on va donner le nom là, ton nom est dedans. And si, said, si on donne un seul nom, c'est ton nom. They say, sister, sister. They say, who is that sister? When they give the name, it is your name. Tu ne procures pas la paix. You don't procure peace. Tu procures le trouble. You procure trouble. La division. Division. La haine. Hatred. Tu n'es pas fille de Dieu. You are not daughter of God. Tu n'es pas fils de Dieu. You are not son of God. Reste qui procure la paix. Blessed are those. Ils seront appelés fils de Dieu. They will be called sons of God. Quand tu as la paix de Dieu, when you have the peace of God, même ton discours, even your discourse, même quand tu prenons la Bible dans Jacques chapitre 3, let us read in James chapter 3, verset 13 à 18, verse 13 to 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceful, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Même dans la manière de résoudre les problèmes, even in the way of solving troubles, ceux qui sont remplis de la paix de Dieu ont une autre manière de le faire. Those who are filled with the peace of God have another way to do it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La parole de Dieu dit ceci. The word of God says this. S'il y a deux personnes, if there are two people qui se querellent, who quarrel, il faut t'approcher vers la personne la plus sage. You must draw near. Il faut t'approcher de la personne la plus sage. You must draw near. The one, the wisest one. C'est à elle que tu vas demander de payer le prix. He is the one to whom you will ask to pay the price. En faisant prévaloir la paix de Dieu qui habite en lui. By making the peace of God that dwells in him to prevail. Qui parmi vous deux est sage? Who among you is wise? Qu'il recherche la sagesse de Dieu. Let him seek the wisdom of God. On ne sème cette parole que dans la paix. We only saw this word only in peace. Tu veux changer quelqu'un. You want to change someone. Et vous vous querellez. And you quarrel. Tu ne peux pas le changer. You cannot change him. La paix de Dieu n'est pas semée dans le désordre. The peace of God is not sown in disorder. La personne qui veut changer les hommes. The one who wants to change man. Qui veut enseigner la morale. Who wants to teach moral doit créer la paix. Must create peace, must make peace. Et enseigner dans la paix. And teach in peace. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça fait partie de l'art de procurer la paix. On la donne comment? It is part of the art of procuring peace. How do we give it? Il y en a qui veulent forcer. Some people want to force. Une sœur m'a dit un jour que son mari se réveille vers 2 heures comme ça. Il dit, je vais te parler. A sister told me one day that at 2
a.m. in the night, her tard dans la nuit. Her, late in the night, her husband gets up and says, "I want to speak to you." Sa femme dit, je suis fatigué. Il dit, je veux que tu m'écoutes. Lève-toi. She said, "I am tired. I want to rest." She said, "I want to speak to you. I want you to listen to me. Et get up." Lève-toi. And he draws her, says, "Stand up." Tu ne peux pas. Elle va s'asseoir. Et la preuve est que elle est venue me dire tout. Donc elle reste comme ça. You cannot solve peace. You will be sitting there and. Donc, Tu parles. You speak and speak and speak, but she's there. Si tu finis, tu as fini. If you finish, she said, "Are you over?" Elle se couche. And then she sleeps. Tu as perdu. You have lost. Le fruit de la paix. The fruit of peace. Est semé dans la paix. Is sown in peace. Par ceux qui recherchent la paix. By those who seek peace. Le fruit de la justice. The fruit of justice. Est semé dans la paix. Is sown in justice. Par ceux qui recherchent la paix. By those who seek. Le fruit de la joie. The fruit tout of joy. Tout ce que tu veux enseigner aux All hommes. All that you want to teach them. Tu établis d'abord l'atmosphère de paix. You must first of all establish peace. Avant de commencer. Before starting. Tu frappes quelqu'un. Tu dis je il faut m'écouter. Tu. You beat someone. You say, listen to me. Qui va t'écouter après avoir reçu un coup de poing sur l'œil? Who's going to listen to you after having a blow on him? Personne. No one. Il dit la paix de Dieu est d'abord pacifique. He said that calmez-vous. The peace of God is first of all peaceful. Be quiet. Keep quiet. Quand dit je veux te frapper, il enlève la veste. Tu lui demandes pardon, il remet sa veste, pardon. Someone says, "I want to beat you," and start putting off his garment. He said, "Please forgive, be quiet." On va causer demain. Va te coucher. Go and sleep, and then tomorrow we'll speak. Le lendemain, lui-même vient avec une exhortation, frère. Vraiment, Dieu m'a parlé. Bon, ça va, c'est fini. The next day, he himself come with an encouragement, say, "Oh, Lord, brother. God has spoken to me. It's okay. It's finished." Tu peux maintenant prendre la Bible. Tu enseignes. You can now take the Bible and teach. Ça va rester. It will remain in his mind. Le fruit de la justice. The fruit of justice. Est semé dans la paix. Is sown in peace. Par ceux qui procurent la paix. C'est moi qui le dis de cette manière-là. By those who procure peace. Tous ceux qui veulent semer la paix, all those who want to sow peace, doivent la semer dans le calme. My soul it in quietness. Tous ceux qui veulent semer l'amour, la justice, tout ce qu'on peut semer. All those who want to sow love, justice, all that we can sow, dans le calme. In quietness. Que deux personnes ou trois prient. Let two people pray. Merci Seigneur. Parce que nous avions déjà entendu parler des fruits de l'esprit. Mais Seigneur, tu es en train de créer les conditions pour que ces fruits-là germent en nous, Seigneur. Oh, je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce fruit que tu es en train de s'aimer, qui est la paix de Dieu, habite chaque frère dans l'œuvre en Côte d'Ivoire. Et au-delà, ô Seigneur, que nous vivions des moments de paix dans nos maisons, dans nos assemblées, que nous soyons des acteurs de paix partout où nous rentrons, ô Seigneur, que ceux qui nous rencontrent rencontrent la paix. Ô, s'il te plaît, Seigneur, toutes les nations en ont besoin, et pour la prospérité de l'Évangile, fais-le, s'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, notre Père, je viens te remercier, Seigneur, parce que tu es en train de dévoiler tout le mal qui est dans mon cœur. Qu'on ne doit pas établir la paix avec la guerre, avec un coup de poing, avec la colère. Oh, notre Dieu, tu es bon. Merci pour la joie, merci pour la direction que tu me donnes ce soir pour rétablir ma vie, pour établir la paix, pour rétablir la relation. Oh, notre Dieu, que ton nom soit béni. Oh, notre Dieu, viens avec nous afin que nous établissons la paix avec la joie, avec l'amour, avec la relation. Béni soit ton nom pour cet enseignement qui nous redresse et qui nous rappelle comment nous pouvons nous conduire notre vie afin d'être en bonne relation avec les frères, avec toi. Oh notre Dieu, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 2, verset 14.
Ephesians 2, verse 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, if you have not given your life to Jesus yet, tu ne peux pas connaître la paix. You cannot experience peace. Il est dit ici que c'est Dieu qui est notre paix. It is said here that it is God who is our peace. Il y a un chant qui dit que avec la force, les hommes ont voulu imposer la paix. Pourtant, Jésus-Christ est le seul qui nous donne la paix. There is a song that reads, with strength, people wanted to impose peace, though it is God alone who gives us peace. Philippiens chapitre 4 verset 6 et 7. Philippians chapter 4 verse 7 and 6 and 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. On l'a déjà dit que la paix, la vraie paix, qui est la paix de Dieu, garde les gens en Christ, il ne rétrograde pas. We have already said that the true peace, that is the peace of God, keeps men in God. They don't backslide. Jean 14, verset 1. John 14, verse 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Le Seigneur établit un lien ici entre la paix et la foi. The Lord makes a link here between peace and faith. On est tranquille. Pourquoi? We are quiet. Why? Parce qu'on croit en Dieu. Because we believe in God. Il peut tout. He can do all. Il peut nous aider. He can help us. Il peut nous secourir. He can help us. Dit que votre cœur ne se trouble point. He said, let your heart not be troubled. Croyez en Dieu. Believe in God. Et croyez en moi. And believe in me. Ça veut dire que quelque part, le manque de paix est une manifestation de l'incrédulité. It means somewhere, it means that the lack of peace is the manifestation of unbelief. On ne croit pas au secours de Dieu. We don't believe the help of God. Ou alors on a oublié. Or maybe we have forgotten. Que notre Dieu est un Dieu qui sauve. That our God is a God that saves. Que votre cœur ne se trouble point. Let your heart not be troubled. Et la solution que Jésus donne, c'est croyez en Dieu et croyez en moi. And the solution that is given by Jesus is believe in God and believe in me. Le Père est là. The Father is in me. Le Fils est là. The Father is there, the Son is there. Deux grands soutiens. Two main support. Pour que chacun de nous dorme tranquille. For each one of us sans to crainte. To sleep in quietness without fear. Le Père est là. The Father is there. Le Fils est là. The Son is there. Quand tu te couches, when you lie down, faut fermer tes yeux, tu t'endors. You close your eyes and you sleep. Il dit, je vous donne ma paix. He says, I give you my peace. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. I do not give it to you as the world gives. D'abord, le monde n'en a même pas. Even the world does not even have peace. Et puis quand ils essaient de donner, c'est soit par force, soit un peu seulement. And when even they want to give, maybe it is by force le or peu, just a little. Le peu qu'on peut trouver dans le monde.
The little that we can find in the world. Ce n'est pas qu'il y en a et puis ils ne veulent pas donner. It's not that there is peace and they don't want to give. Lisons dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Let us read in Matthew chapter 8, reading from verse 23 to 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et lui, un grand calme. Ses hommes furent saisis d'étonnement. « Qui est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Now, when he got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves. But he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, Why are you fearful? Oh, you of little faith. Then he arose and rebuked the winds and the sea. And there was a great calm. So the men marveled, saying, Who can this be, that even the winds and the sea obey him? Vous voyez, you see, Jésus est dans la barque. Jesus is in a boat. Il prend un coussin, il se couche et il s'endort. He takes a pillow, lie down and sleep. Et les vagues menacent. And the waves threaten the boat. L'eau la remplit. And it is filled with water. Jésus dort. Jesus is sleeping. Les disciples ne peuvent pas fermer l'œil. The disciples cannot even close their eyes. Ils commencent à crier. They start Sauve-nous, nous périssons. Save Seigneur, us. Sauve-nous, nous périssons. They start crying. Oh Lord, save us, we are perishing. Save us. Donc, ceux qui pouvaient encore parler, c'est ceux qui disaient, mais les autres criaient seulement, oh, oh. Those who could speak, that's what they were saying, but the others were just crying out. Pourquoi dort-il? Why is he sleeping? C'est la paix. It is peace. C'est la foi. It is faith. Parce que quand il se réveille, il dit, homme de peu de foi. Because when he awakes, he said, Man of little faith. Ça veut dire que s'ils avaient eu la foi, ils seraient aussi en train de dormir. It means that if they had faith, they would be also sleeping. Si tu es un enfant de Dieu, if you are a son of God, si tu n'arrives pas à dormir, if you don't, you don't succeed in sleeping, parce que tu as peur, because you are afraid. Ce n'est pas normal. It is not normal. Jésus est à côté. Jesus is near. Le Père est là. The Father is there. Le Fils est là. The Son is there. Et tu ne peux pas t'endormir. And you cannot sleep. Pourquoi? Why? Tu dis nous périssons, nous périssons. Est-ce qu'ils étaient en train de périr? Non, Jésus était avec eux. And they said, we are perishing, we are perishing. Were they perishing? Jesus was with them. Jésus pouvait même renverser la barque et chacun d'entre eux commence à nager, c'est-à-dire à flotter, pas même nager, même ceux qui ne savaient pas nager allaient flotter sur l'eau et une vague allait les déposer au bord de la mer. Jesus could even overthrow the boat and each of them will be lying upon the sea, the water, and they will be taken away to the seashore. Jésus peut commander à l'eau de se retirer, vous marchez sur le sable à sec, vous sortez. Jesus could command the water to retire and then you walk on the sand and get out. Il peut même vous laisser, vous mourrez. And he can even leave you die. Après deux, trois jours, il revient vous ressusciter. And after two, 3 days, he come and raise acclamons you up. Pour Jésus. Let's clap for Jesus. Donc quand tu cries, nous périssons, est-ce que tu sais ce que ça veut dire que
périr. And when you say we are perishing, do you know what it means? Perishing. Nous périssons, nous périssons. We are dis perishing, au nom de Jésus, je proclame que je ne péris pas. The Father is there. I'm not perishing. Je suis pas en train de périr. I'm not Jésus perishing. Est là, Jésus est là. Jesus is there. Jesus le Père is there. Est là. The Father is there. Le Fils est là. The Son is there. Que le diable se retire. Let the devil get away. Ça c'est ce que produit la paix avec Dieu, la paix de Dieu. This is what is what the peace of God produces. On dort. You sleep. Si tu as la dépression, tu vas cette nuit, c'est fini. If you suffer depression, guéri. Tonight you are healed. Ah, couche-toi et tu t'endors. Go, lie down and sleep. Tu es guéri. It's finished. You are healed. Psaume 3, verset 6 et 7. Psaume 3, verse 6 and 7. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. I lay down and slept. I awake, for the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000 of people who have set themselves against me all around. Je me couche et je m'endors. I lay down and slept. Je me réveille. I awoke. Il y a des gens qui restent assis, se disent que s'ils s'endorment, ils vont mourir dans le sommeil. There are people who keep sitting. They are afraid. They said if they sleep, they will die in their sleep. Va, couche-toi, tu t'endors et tu vas te réveiller demain matin. Go, lie down and sleep. You will wake up tomorrow morning. Il dit, car l'Éternel est mon soutien. Il ne dit pas ça en l'air. Il sait que l'Éternel est son soutien. Donc, il se couche, il s'endort et il se réveille. He says that for the Lord sustained me. He knows that the Lord is his support. So he lies down and sleep and then wake up. Il y a un jeune homme qui m'a appelé un jour. Je ne dors pas, je ne dors pas. A young man called me the other day and said, Pastor, I'm not sleeping, I don't sleep. Non, il est même venu jusqu'au bureau. He even came to my office. Je lui ai dit, hey, attention. I said, oh, watch out. Et l'examen du bac s'approchait. The A-level exam was drawing near. Je lui ai dit, va. I said, go. Tu te couches. You lie down. Tu t'endors. And you sleep. Demain, tu te réveilles, tu étudies. Tomorrow, you get up and you study. Il dit, non, je n'arrive pas. Je dis, va, tu te couches. I said, go, tu t'endors. You sleep. And ne va pas étudier. You lie and sleep. Va te coucher. Don't study. Tu go and lie yeux. Down. And close your eyes. Il est parti, il s'est couché, il a fermé les yeux. Il s'est endormi jusqu'au matin. Il a étudié, il a eu son bac. He went and lay down and slept and he woke up in the morning and he studied. He sat for the exam and passed it. Amen. Car l'Éternel est mon soutien. For the Lord sustained me. Si tu t'arrêtes seulement, je me couche, je m'endors, je me réveille, tu n'as rien compris. If you stop at the level of I lie down, sleep and wake up, you have understood nothing. Si tu ajoutes car l'Éternel est mon soutien, tu as compris ce passage là. If you add for the Lord is my support, then you have understood this passage. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Psaume chapitre 4. Psalm chapter 4, verset 8 et 9. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'en en ont, car abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. You have put gladness in my heart, more than in the season that their grain and wine increased. I will both lie down in peace and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. He says, you have put gladness in my heart more than in the season that their grain and wine increased. Je me couche et je m'endors en paix. Et il a précisé ici, ce n'est pas un sommeil agité. Je m'endors en paix. I will both lie down in peace and sleep.
He added in peace. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. It is not a restless sleep. And he added, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Amen. Il est l'auteur de notre paix. He is the author of our peace. Il est notre paix. He is our peace. Il est avec nous. He is with us. Il travaille avec nous. He works with us. Nous n'avons rien à craindre. We have nothing to fear. Si tu dois effectuer un voyage, if you want to travel, recommande-toi à sa grâce. Just recommend yourself to him ton voyage. And travel. Le car peut tomber et rouler sur lui-même 3 fois, 4 fois. Tu vas sortir vivant. The coach can fall and turn many times, but you will get out alive. Il y a un lien entre la communion avec Dieu et la paix de Dieu. There is a link between the fellowship with God and the peace of God. Vous voyez, même les attaques, il y a des oppressions, les démons t'empêchent de dormir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix de Dieu. You see, even the attacks and oppression, the demons hinders you, and I mean they prevent you from sleeping. Why? C'est en son nom que nous sommes victorieux même dans les songes. Because there is no peace of God. Même dans le sommeil. Even in the sleep, ta paix ne sera pas troublée. Your peace will not be troubled. Si un méchant vient, if a wicked one comes, il va rencontrer la main de Dieu. He will meet the hand of God. C'est une promesse sûre. It is a very sure promise. Que votre cœur ne se trouble point. Let your heart not be troubled. Croyez en Dieu et croyez en moi. Believe in God and believe in me. Dieu est avec nous. God is with us. Croyons qu'il est avec nous. Let us believe that he is with us. Travaillons pour demeurer en contact, en communion avec lui. Let us work to remain in contact, in fellowship with him. Et demeurons en communion avec les frères. And let us remain in fellowship with the brethren. Procurons la paix aux païens. Let us procure peace to the unbelievers. Ils ne connaissent pas la paix. Who do not have peace. Et même nous appellerons, ça, ce sont les enfants de Dieu. They themselves will say, those ones are the children of God. Et le Seigneur sera glorifié. And the name of the Lord will be glorified. Et nous allons connaître la croissance spirituelle. And we will also experience spiritual growth. Si le fruit reste petit, if the fruit remains small, nous ne pouvons rien donner. We will not be able to give anything. Nous ne pouvons pas grandir. We cannot grow. Pourtant, tout est en nous. Though everything is in us. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Il y a des moments où tu dois parler à ton âme. There comes times that you should speak to your soul. David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Crois en Dieu, espère en Dieu. David said, my soul, why are you downhearted? Believe in God. Put your trust in him. Veille sur toi-même. Watch over yourself. Veille sur ton âme. Watch over your soul. Ne laisse pas ton cœur de s'éparpiller dans l'angoisse. Do not let your heart be scattered in anguish, in trouble. Dis-lui, mon âme, pourquoi t'as battu? Say, my soul, why are you downhearted? Pourquoi tu pleures? Why are you crying? Le Seigneur est là. The Lord is there. Le Seigneur est là. The Lord is there. Et l'ordre sera rétabli en toi. And the order will be reestablished in you. Le calme sera restauré en toi. Quietness will be restored in you. Mais si tu te laisses, but if you abandon yourself, tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. You will have the impression, you feel the impression that God has c'est abandoned ce qui you. Est arrivé aux disciples. That's what happened to the disciples. Nous périssons. We are perishing. Ils n'étaient pas en train de périr. They were not perishing. Le maître maîtrisait les choses, il se reposait, il dormait. The master
the master mastered the situation and he was resting and he was sleeping. Ça veut dire que tu peux connaître des troubles inutilement à côté avec Jésus en toi. It means that you can experience troubles uselessly with Jesus in you. Prions ensemble. Let us pray together. Père, tu es notre Père. Tu veux que nous croyions. Tu as dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Montre-nous le secret divin pour garder le cœur dans la paix totale. La foi en toi et la foi au Père. Merci pour le lien entre la paix et la foi, entre la paix et la communion avec Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis Seigneur. Say Lord. Merci pour le lien entre la paix et la foi. Thank you for the link between peace and faith. Merci pour le lien entre la paix et l'œuvre de Jésus. Thank you for the link between peace and the work of Jesus. Et le nom de Jésus. And the name of Jesus. Et le règne de Jésus. Et la puissance de Jésus. And the power of Jesus. Et sa présence en nous. And his presence in us. Dis Père. Say Father. Révèle-nous le lien. Reveal us the link entre la paix, la communion intime avec Dieu. Between peace and intimate la paix, fellowship la paix, with God. La communion intime avec Dieu. Peace and intimate fellowship with God. Dis Seigneur. Say Lord. Tu nous as révélé. You have revealed to us. Que c'est toi qui ordonne à l'angoisse d'assaillir les hommes. That you are the one who command trouble to be upon men. À cause de leur péché. Because of their sin. Seigneur, Lord, montre-nous le lien entre la paix et la réconciliation avec Dieu. Show us the link between peace and reconciliation with God. La paix et la réconciliation avec Dieu. Peace and reconciliation with God. Dis Père. Say Father. Enseigne-nous. Teach us. À nous coucher. To nous endormir. Lie down and sleep. En paix. In peace. Parce que nous croyons que tu es là. Because we believe that you are there. Parce que nous te voyons. Because we see you. Nous te voyons. We see you. Et nous pouvons effectuer des voyages sans crainte. We can travel without fear. Nous pouvons établir des buts sans crainte. We can make goals without fear. Parce que nous savons que tu es là. Because we know that you are there. Pardonne les hésitations. Forgive our hesitations. Pardonne les murmures. Forgive our murmuring. Pardonne les lenteurs. À cause du doute. Because of doubt. À cause de l'incrédulité. Because of unbelief. Prions en langue. Let us pray in tongues. Dis Seigneur. Say Lord. Merci parce que tu nous as montré qu'il y a la paix que nous recevons. Thank you because you show that there is the peace that we receive. Il y a la paix que nous devons manifester. And the peace that we must show. Il y a la paix que nous devons procurer. And peace that we must procure. Merci parce que ta parole dit que autant que cela est possible que nous soyons en paix avec tous les hommes. Thank you because your word says that as long as it is possible, we should be in peace with all men. Que ces vérités nous enchaînent. Let this truth que keep soyons, us in chains. Que nous soyons les captifs de la vérité. Let us be captive of truth. Et que la paix soit notre partage. And let peace be our portion. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que le Seigneur t'accompagne. May the Lord take you back home.